Calmos. Quoi, Kalmos? C'est moi le chef. Ferme ta gueule. Un petit coup de crosse dans la gueule, là, il ferait moins le malin, je crois. Bon, allez. Personnalise les équipements. Accessoires. Là, on va voir ce qu'on peut accrocher de plus sous les M4. Alors, un canon. C'est important de bien entretenir son arme. Repensez à tous ceux que j'ai tués. Une bouche ou un laser. J'ai toujours pas pris l'habitude de ce truc. Elle a sans doute pas la même puissance que le matos des Norco. J'ai jamais eu à m'en plaindre. Il y a bien une chose à éviter, c'est que votre arme s'enraye en plein milieu d'une fusillade. J'ai les mains qui tremblent à force de tirer avec ce truc. Vous faites forte impression, mais prenez pas la grosse tête. Cette saloperie s'est enrayée la dernière fois. Il paraît qu'on commence à manquer de munitions. J'espère que c'est pas bien. On progresse vachement contre les Nord. D'accord, donc. Ce qu'il faut que je teste, c'est quoi? Attends, la confection de. Ah, la ressource actuelle, ça c'est quoi? Ah, j'ai pas encore appris la recette, c'est pour ça. Hop là, alors. Allez, on va se taper ça. Après on y arrive, faire un petit tour par là-bas. J'ai pas encore récupéré ma récompense. Rien du tout, du con. Rien du tout. Oh, bah vous êtes mort, monsieur. Alors, putain, oui, c'est vrai, j'avais sauvé une bande d'abrutis ici, mais j'avais pas récupéré mon dû. Ah, d'accord. Déjà, on peut débloquer des motos, j'avais totalement oublié ça. Alors, on va prendre toute une armée avec nous. Attention, ennemi droit devant. On est à compagnie. Ça vient là. Je vous coupe. On va partir, mon abri est parti. Ils sont où? Ah. Ouais, c'est ok. Attendez, je veux le prendre en photo avant que vous le défonciez. Oh d'accord. Ouais.
Bon, je me casse, hein, vous m'avez saoulé. Ah d'accord, aussi on peut découvrir des zones. La destruction de ce poste d'écoute empêchera l'APC de nous localiser dans la zone et lui compliquera la tâche pour suivre nos déplacements. Bien joué. Il faut les priver de bouffe et de flotte. C'est un plaisir, comme toujours. Billy Alpha, ici Will. Le véhicule de transport de l'Owen n'a rien donné. Juste le pilote et un garde armé. Reçu. Les Norcos ont donc annoncé aujourd'hui le procès de Walker. Le procès. Sache ce que ça veut dire. Tout ceci n'est qu'une blague. Une blague qui va se retourner contre eux. Parce que nous, les résistants, n'allons pas tolérer cette connerie. Il est vivant. Les Norcos en ont trop besoin. Avec lui, il peut faire pression sur nous. On le trouvera. Alors, magasin, équipement. Bon bah on va y aller avec ça, c'est parti. Allez, juste aller voir les bâtiments un peu trop suspects. Ah non, une zone industrielle, d'accord. Ah ouais, ça c'est le chantier naval, donc ça j'y suis passé une fois. Ok, ça c'était la zone tremplin. Normalement, je peux piquer des trucs dans le moteur. Il y a un truc dedans.
flemme de regarder ces véhicules. T'as, faut que je rentre dans ce bâtiment. Il n'y a rien à voir. Du coup, je suis allé là, je suis allé faire un tour là. Là, je sais pas si j'y suis allé encore. Oh. Ah ouais, d'accord, on pouvait aller ici. Je savais pas. Je tape un sprint pour aller au port. Je sais même pas si ces livres on pouvait les ramasser. Tiens, une radio ici. Oh putain, j'ai un peu un casse-cou moi. Et un drogué. Drogue for life. Allez, maintenant, on va descendre un peu plus en bas avant d'aller à l'armurerie. Et on y va seul comme à... Ah bah non, il y a les potes ici, on va aller recruter les SRAB. Ah, soit moto. Ah, et bien le coup des poubelles. Je suis tranquille à dos. Hop là. Un truc dans ce bâtiment. Petit truc ici. Non, même pas. Honnêtement, vous croyez qu'ils sont obligés de nous bassiner 24 heures sur 24 avec leur haut-parleur? C'est quoi ce bâtiment? D'accord. On a ta fusée! Ah ben génial, vous êtes super utiles les mecs. Même trop, je dirais. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, mon frère, t'inquiète. Émetteur activé. Bien joué, Brady. On va pouvoir suivre les activités des Norco dans la zone maintenant. Vous
faut des guetteurs dans toutes les directions. Vous fatiguez, faites-vous remplacer. On ne peut pas se permettre la moindre erreur. Philly Alpha, ici Tony. On a de la visite. Le bruit court qu'on aurait emmené Walker à Independence Hall. Impossible de vérifier pour l'instant, mais on y travaille. Parrish a dit qu'on se tenait tranquille tant qu'on n'était pas sûr. On peut pas se permettre de risquer la vie de Walker. C'est bien compris, Tony? Ouais. Tony? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Terminé. Ok, faut y aller depuis ce bâtiment. Je sais ce que vous vous dites, Brady. Mais pour moi, c'est de la folie de sauter au-dessus du mur à moto. Problème, Brady. Les Norcos ont installé une base de lancement de Duster. Ils vont s'en servir pour gazer les autres zones rouges. Tu dois la détruire avant le lancement de ces foutus Dusters. Je vais bien m'en charger, mais laisse-moi le temps d'atterrir. Allez, on y va. 96 mètres. Cet entrepôt est un bastion clé de la PC. En plus de répandre du gaz dans les tunnels, il sert de station de ravitaillement et de réarmement. Et réportera plus sévère aux activités de la PC dans le secteur. Ah putain, vous êtes sérieux vous là? Vous pouvez pas me laisser péter le truc tranquillement? Ah, j'ai juste envie de les faire chier. J'ai envie de les faire chier avec ça là. Hop, hop, génial l'entrée, elle est juste là en plus. Ah, t'es qui toi? Bon. Champouinade. Je sais pas ce qu'il dit en fait. Ouais, je fais le grand tour hein. Au pire je fumerai tout ce qui bouge. Allez, Nick Taras, le Coréen du Nord. Mes hommes, ils sont à côté d'explosion, ils prennent rien du tout. On pourra circuler plus tranquillement dans la zone maintenant qu'on a le contrôle. Excellent travail, Brady. C'est maintenant où ça va. Tony, ici Philly Alpha. Tony, vous êtes là? Ouais, on est là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça faisait juste un moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Tout va bien?
On faisait une petite pause. On a couvert pas mal de terrain avec les recherches. Ouais, et on vous en remercie. Vous devriez peut-être rentrer vous reposer un peu. Non, on va continuer encore un peu. Important, ah. Ouais. Les égouts. Bon, allez. Faites attention à vous, Tony. Ah mais elle est où ma réserve d'armes là? Y'en a pas ou quoi? Ah bah non, on dirait bien. Ah c'est pas grave, bon allez, on va tout baiser. Il faut passer à la zone suivante. C'est génial d'avoir repris celle-ci. Et on a encore tout un sur la route. C'est tout bon. Je vous couvre. Marché clandestin à cet endroit, avant que la PC ordonne sa fermeture. Sniper, allez-y tous pour voir s'il reste rien qu'on pourrait merde utiliser. Il est où? Il est où? Non, c'est mauvaise idée. Il faudrait plus des gens comme vous. Bon boulot, Brady. Cette nourriture va faire le bonheur de beaucoup de monde. On va leur montrer qu'on est là pour les aider. Faites le boulot de 10 mètres par ici. Eh ouais. Il est Alpha ici, Tony. C'est là, Eric. C'est qui, là? On m'a dit que les Norco avaient fait une descente chez Tara à Houston. Ça va bien? Ouais, elle va bien. On est arrivé avant qu'ils aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Tant mieux. Je pourrais peut-être passer la voir en rentrant. Ouais, pourquoi pas. On peut plus rien remettre au lendemain de nos jours. Et alors? Bon, maintenant il est temps de se diriger sur la mission principale. Putain, si je fais ça, putain les gars, je vais bien me débrouiller quoi. Ça va pas être la merde. Non. Dites aux équipes de passer au site suivant. S'ils ne voient rien de flagrant, il faut couvrir plus de terrain. Ratpack, tout va bien? Dites aux équipes de passer au site suivant. S'ils ne voient rien de flagrant,
plus de terrain. Encore économiser pendant qu'on y est. On peut pas se permettre de perdre 6 hommes. On est déjà en sous-effectif. Merde. Oh les copains, il y avait le téléphone qui sonnait, fallait vraiment que je décroche. Excusez-moi pour cette coupure. Vous avez essayé Holstein ? Hélène dit qu'il n'y a pas de signal là-bas. Qu'est-ce qu'elle a pu leur arriver? Ah, tu es Brady. Moura a appelé, elle a dit que tu passerais. Et tant mieux pour moi, j'ai une patrouille qui a disparu. Je vais avoir besoin de toi. Attends, juste une seconde. Contactez Connor. Demandez s'il a vérifié sur la côte. Ils sont peut-être perdus ou sont tombés en panne. S'il est dispo, dites-lui de prendre une bécane et d'aller regarder. Désolé, Brady. Au fait, je m'appelle Ned Sharp. Je gère le dépôt d'armes ici. Et comme je disais, j'ai perdu une patrouille. Ils enquêtaient sur un éventuel transfert de Walker. Ils ont dit avoir un visuel sur un convoi. Et la transmission a coupé. Toute information sur Walker est vitale. On doit découvrir ce qui leur est arrivé. J'ai envoyé des hommes chercher, mais on a beaucoup de terrain à couvrir. Il faudrait que tu sortes les aider dans les recherches. Essayez encore de les joindre. Quelque chose bloque peut-être leur radio. Ned, je fais de mon mieux. J'avais prévenu Andy. Trop de risques. Pourquoi les gens ne font pas plus attention? Hey, nouveau, si vous allez chercher la patrouille d'Andy, préparez-vous en cas de danger. J'ai des bombes artisanales pour vous. Elles marchent aussi bien sur les véhicules que sur les soldats. Ça vous aidera contre ces enfoirés de la PC. Il faut les priver de bouffe et de flotte. Hey, faites attention. Pourquoi ils nous ont pas contactés? Attendez, j'ai assez d'argent, ouais ça va, ça devrait le faire. Putain, ça fait que 3 heures que ça fait que 2 heures que j'explore comme un taré en fait. Ça fait pas beaucoup. Putain, je pensais que j'avais passé plus de temps moi. Ah, sympa ces petits apparts là pour bien niquer les soldats. D'un produit chimique, je suis déjà à donf. C'est Ned. Plus on couvrira le terrain, plus on aura de chance de retrouver Andy et ses hommes. J'envoie ta zone de recherche sur ton téléphone. Tiens-moi au courant si tu trouves la moindre bricole. Bonne chance.